Salut YouTube. On bouge, mais je vous laisse dans l'ambiance. Nous n'oublierons jamais le jour. Où une nouvelle vie arriva à Nibelle. Elle fut baptisée Kun. Oh, le drame.
La réponse se trouvait dans le passé. Le dernier cadeau d'une mère. La plume de Kuro. La fameuse qui nous permet de planer. Ensemble sur de nouvelles ailes. Le ciel était si proche. Barré par la tempête,
Notre histoire commença. Marais de Mornaude. Eh bien mes amis, quelle introduction. Quelle introduction, je vais juste baisser un tout petit peu le son et évidemment changer le titre. Chose que je n'ai pas faite. C'est chose faite. Nous sommes donc prêts à nous lancer pleinement dans cette aventure. J'espère que le son est bon pour vous. Tenez-moi au jus. Mais quelle intro! Quelle intro incroyable! Alors qu'on voit tout notre pattern de compétences. Bon, on repart à zéro. Est-ce qu'on a une map ou quelque chose? C'est pas ça. On a une map. Ok. On a des fragments spirituels qui nous attendent. Un inventaire. Très bien. Plein de choses, plein de nouveautés. On n'a pas la compétence de fracasser des gens, là. Ça, on est d'accord avec ça. Pour l'instant, on ne peut que les éviter. Des orbes de vie, on en a l'habitude, on les récupère pour se régénérer. Petit brasier de lumière spirituelle. La lumière spirituelle peut s'échanger avec des créatures amicales contre des objets ou des améliorations. Ah, ça s'échange maintenant? C'est plus... Ah ouais. Ok, ok. Ah. Ah ouais, tout de suite les embrouilles, quoi. Tout de suite, on vient, on s'embrouille. On est bloqué par là. C'est malheureux. Alors ça... Attendez, il y avait quelque chose à gauche, non? Eh oui. Effectivement. Ah oui, maintenant c'est par paquet de points. On en a 100. On va aller voir tout au bout, quand même. Ah, c'est un marchand. Ou alors il est absent peut-être. Qui sait. En tout cas le jeu est magnifique. Bon la bande son a l'air encore plus dingue que l'épisode passé. Prenons la torche. Ah on peut donner des coups avec la torche. Ah oui. Très bien, c'est une arme. Et on gagne des petites orbes spirituelles quand on tue les ennemis. Ok. Ok, donc des nouvelles mécaniques introduites. Hein. Parce qu'avant, on avait un sort de lancement d'énergie. Hein. Maintenant, on peut récupérer des armes, carrément. Et évidemment, ça fait brûler le bois. Oh, c'est beau, c'est RP, c'est beau. J'aime bien ça. Hop. Appuyez sur X pour parler à Toc. Qui es-tu donc? Pas un Moki, c'est sûr. Tu ne viens même pas de Niven, je parie. J'ai voyagé partout. Je n'ai jamais rien vu comme toi. Tu viens de par là, par-delà les eaux, peut-être? Quoi qu'il en soit, je m'appelle Toc. Et je voyage dans cette contrée. Là où il fait bon aller, en tout cas. Je m'abrite de la tempête, mais si tu veux aller plus loin, tu vas devoir traverser le portail aux esprits là-bas. Il te faut deux pierres clés, comme celle-ci, pour l'ouvrir. Il y en a justement une dans la grotte, à l'ouest. Mais pour la récupérer, il faudra compter sur quelqu'un de plus agile que moi. Qu'en dis-tu?
Très bien, nouvelle quête. Nouvelle quête, on nous a donné un fragment de pierre-clé à aller chercher. Ok, il y a un système de quête qu'on peut suivre. Trop bien. Beaucoup trop bien. Eh bien, trouvons la pierre-clé manquante dans la grotte qui se trouve non loin de Toc et il te donnera la sienne. Ok. Grotte sûrement en dessous, on va juste checker ce qu'il y a par là. Bon, des ennemis pas très récalcitrants pour le moment. Oh, une orbe d'énergie. J'ai trouvé une orbe d'énergie. Récupère-en pour régénérer l'énergie de Ori. Attendez, parce que là, je tombe dans un truc foutrement salé, là, si je vais là. C'est ça? Pourtant, ça a l'air d'être par là, hein. Ou alors, fallait descendre et c'est plus bas. On va checker par là, quand même. Ah, non, il y avait simplement ça, ici. Mais on prend, quand même. Un peu d'énergie, quoi. Pas de la monnaie, la moula. C'est notre nouvelle moula. Ok, faut descendre. On y va, on se pose pas de questions. On passe le mur du son. Tel Willy Denze. Waouh. Et des vrais, des mini-boss avec des mécaniques de combat. Incroyable. Incroyable, c'est excellent. Ah, va y avoir des duels au sommet. Saute sur la mousse bleue pour t'y accrocher. Ah oui, la mousse bleue, pas l'eau bleue. De quoi? Hop, on tape nos meilleurs saltos. Ah, on a plus de torche. On peut plus trop faire les malins. Et on peut se la jouer renversée. Oh, il y avait un truc intéressant là-bas. Il y a des trucs intéressants partout, j'ai l'impression. Ah. Et la voici. La pierre-clé. Les pierres-clés permettent d'ouvrir les portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un certain nombre de pierres-clés. Nous avons donc la clé manquante, retournons voir Toc, mais avant cela, allons essayer de chercher l'autre élément qu'on a vu juste à notre gauche là-bas. Aïe! Alors que déjà les embrouilles. L'inattentivité. Je suis pas sûr qu'on puisse en vrai. Aïe, on a peut-être pas ce qu'il faut encore. Peut-être pas ce qu'il faut dans le gilet. Ouais, ça m'en a tout l'air. Hein. Il nous manque un élément, un double jump peut-être. C'est dommage. Ah. Il est vrai. La mousse. Oh non, par contre, il fait... Pourquoi? Pourquoi il fait ça? La musique est tellement magnifique. Oh là là. C'est beau. Ok. On est là, on est là. Ah, tiens, voilà. C'est bien une pierre clé que je vois. Oh, voici une autre pour de peine. Je suis dans nos autres paroles, n'est-ce pas? Maintenant, je peux poursuivre mes voyages à travers les merveilles perdues de Niwen. Ah bon que nous en perdions d'autres. Et toi? Tu peux continuer ce que tu faisais? Bonne chance. Et c'est donc terminé pour cette pierre clé. Ok. Pas mal hein, du coup.
Le truc, c'est qu'on sait pas trop où on doit aller. Attendez, il y a du bruit à droite. Il se passe des choses. Ah, non, la première mort. Bah non. Oh, heureusement. Fini les embrouilles de on doit se régénérer l'âme et tout. Oh là. Pas très envie de le croiser, lui, quand même. Le loup-garou, là. Est-ce qu'on peut nager? Question. La réponse est oui. Nous avons un taux d'apnée qui est jusque-là logique. Aïe. Je gratte les murs. C'est Hollow Knight qui nous a matrixé. C'est pas moi, c'est Hollow Knight. Il y a l'air de rien y avoir. En tout cas, pour l'instant, dans cette zone. De la vie. De la vie. Oh. Les embrouilles. Pas sûr que ce soit la meilleure option de se caler là. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit qu'on est mort, hein. Ouais. Ok. Il a beaucoup de vie, je trouve. Mais il a énormément d'HP, ça va durer 1000 ans. On doit pas le tuer maintenant, c'est pas possible. Ah, nous a pas eu. Au coup par coup. Aïe. C'est bon. Non, pas du tout. On se fait toucher en boucle. Ah, ça y est. Oh pardon, oh là là, mais putain, mais ça je peux pas couper le son avant. Mes excuses. Évidemment. On devrait avoir un succès, ça fait plaisir quand même. Mais ça dégoûte le son. Ok. On a plus d'armes. Horrible. Horrible. Elle est cadeau celle-là. Elle est pour moi. Sur les meilleures vannes, hein, seulement sur ce stream. Vous vous en doutez bien. N'entendrez ça nulle part ailleurs, personne n'osera. Et c'est bien normal. L'antre d'Aul. On n'a pas d'armes. Il nous faut... Il est où notre truc de tout à l'heure? Mais là on descend, on va mourir. Allez, on est parti pour crever, c'est parti. Allez, plongeons dans l'inconnu. Ouf. On est dans l'inconnu la plus totale, la plus complète. Et les petits chats. Voilà. Oh, le design des armes de comp. Cadang. Ouf. Alors qu'une lumière ancienne s'éveillait,
Naru et Gumo se mirent en quête dans la nuit. C'est pas tout à fait des chats non plus. Vous avez compris. Mais tu n'es pas comme les autres. En toi, une lumière ancienne. En toi brille une lumière ancienne. L'arbre s'est souvenu. Il a partagé sa mémoire avec toi. Nous avons la lame spirituelle. Nouvelle compétence, appuie longuement sur LT pour affecter A, X, Y ou B. Et lancer des combos. Utilise la lumière maintenant, nous voulons voir. Let's go. Oh, let's go, let's go, let's go. Incroyable. En plus, il y a de la range. On adore. Ça permet de temporiser en l'air, en plus. C'est juste incroyable. Super barma. Oh, le pied. Le pied total. C'est admirable. Ok, on peut dash un peu dash vers le bas, j'ai l'impression, avec... On peut régénérer de la vie un peu sur les ennemis, c'est trop bien. Tous les trucs qui pêchaient un peu dans le... On va dire dans le 1. J'ai l'impression qu'ils ont été corrigés dans le 2. C'est trop bien. C'est vraiment de la démentialité la plus totale. Qu'est-ce donc ? Un aimant. Tu as obtenu un nouveau fragment spirituel. Utilise-le pour attirer les orbes situés plus loin. Appuie sur Select pour t'en équiper. On peut en sélectionner 3. Ok, très bien. On prend l'aimant. L'aimant, on le prend, ouais. Pour l'instant. Merde. J'ai oublié que j'avais pas de double saut. Il est con, le con. Il est con, le con. Ok, continuons notre promenade, hein, pour le moment. Non, en découverte complète, on sait qu'il nous faut retrouver Kun, mais... Comment ? La lumière t'écoute. Merde. Nous, les Moki, nous pensions que tous les esprits avaient disparu de Niwen. Tu cherches quelqu'un, nous connaissons à découvrir. Va voir le gardien du marais. Qualoc t'aidera à trouver ton chemin. Le gardien du marais. Parle à Qualoc, le gardien du marais. Les Moki pensent qu'il pourra t'aider à trouver Kun. Très bien. C'est notre quête. C'est notre quête. Oh, on est obligé de la suivre, on n'a pas trop le choix, quoi. Mais il nous faut remonter par où? Il nous faut remonter par là? C'est pas. D'abord, descendons. J'ai envie de dire, il y a des trucs en dessous. On descend. Ah, oh, ça les fait descendre et tout. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, 100% oui. Ils sont un peu vénères ceux-là. Bon après on a beaucoup de dégâts je trouve dès le début. C'est pas une mauvaise chose hein, en soi. Ça nous arrange bien même plutôt. On va pas s'en plaindre. Allez, on lui laisse pas le temps d'attaquer. Évitons de trop crever dès le début. Après je vous connais. Vous allez me juger. Ah oui. Ah oui, la technique de la pierre. Il est vrai. Ça va le faire tomber, non? Ah non. Ok, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, alors, moi, c'est l'apanage. Moi, le jeu est tellement beau que les quêtes, bon, pour l'instant... Mais on est revenu, là, non? Pas du tout. Je pensais que c'était un passage qui s'était ouvert... Quoi?
Ça, c'est la mort assurée. Je pensais que c'était un passage qui s'était ouvert après nous, mais en fait, non, on n'est pas passé par là. Moi, j'adore découvrir. J'aime me balader. Ah bah voilà, typiquement, les embrouilles. Un petit boss. C'est du génie. Et lui, il est de retour, là? Avec un pote. Ok, on les a tous eus. Ça réouvre le passage. Énorme. Oh là là, les trucs là, les mini-boss et tout, c'est trop bien. Merci. Merci, merci. Le jeu a l'air exceptionnel, les amis. Je vais pas arrêter de le dire, certainement, mais waouh, waouh, waouh. Oui, direct, on absorbe la lumière. Double saut, mais oui, mais déjà, mais voilà. Oh là 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 là, c'est énorme. Double saut, on l'active tout de suite. Il est où? Ah, c'est automatique, genre? Mais non. Bah, ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être permanent. Que du bonheur. Ah, bah non. What? Et si, c'est du permanent. C'est du génie. Adhérence. Ah, c'est ça, le nouveau fragment spirituel. Exact. Utilise-le pour adhérer au mur. On le met. On le met, ça nous permettra de remonter. Si besoin est. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Hein. La découverte est phénoménale. Le plaisir est maximal. Et j'arrive à pas trop me perdre. C'est quand même pas rien. Ah bah par contre j'arrive pas à sauter. Ça c'est un peu chiant. On va y arriver. Vous en faites pas. Oh là 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 là. C'est du génie. On continue notre petite descente pour l'instant. Moi j'aime plutôt. Cache pas de l'idée de descendre un peu pour l'instant, découvrir. Ok, on peut pas casser pour l'instant. C'est bien là notre veine. Oh là là, mais oui. Ah, il faut qu'on y aille absolument. Regardez, il y a un fragment qui nous attend là. Bon, c'est acceptable de prendre des coups. Après, on est en normal, hein. On va pas se faire one shot non plus, j'espère. Mais bon, c'est tolérable, dirons-nous. Petite tolérance, quoi. Mais pas Jean Castex. Aucun rapport. Ok, on se cache derrière la pierre. On va venir la caler bien au bord, là. Ça, on se fera pas pranker. Pouf! Petit fragment de porte. On sait pas ce que ça ouvre pour l'instant. Et re-salut, Pénandreur. Une bonne soirée à toi. Et re-bienvenue, aujourd'hui. Pour l'instant, on prend une claque. Tous les petits trucs un peu relous du premier ont disparu pour laisser place à 100% de bonheur. Et puis alors l'OST, l'ADA, enfin tout est génial quoi. Oh, portail direct! La lumière des puits Eric Tuniwen, elle connecte, elle soigne. Petite régène. On peut pas encore se TP bien évidemment car c'est le premier puits que nous avons. On le réactive pour le plaisir, une petite deuxième. Et comme nous sommes au premier puits aux esprits et que nous avons déjà passé notre première quête YouTube, une petite pause. La suite au prochain épisode.